Une raie d'honneur pour accueillir le tout nouveau gouverneur du district 9103 du Rotary International pour le compte du mandat 2024-2025. C'était le samedi 29 juin 2024 à la salle des fêtes majestiques de Kadiéon à Cotonou. C'est à la faveur du gala de passation de collier de gouverneur, une tradition au sein du Rotary qui a connu une forte mobilisation des membres du district. Ces derniers jours, une magie s'est opérée au sein des clubs. Non pas parce que le concept de l'événement l'imposait, mais parce que dans notre ADN, le Rotary, c'est tout simplement des femmes et des hommes qui se rassemblent et qui passent à l'action. Et vous ne cessez de le démontrer, chers amis. La cérémonie de passation du collier de gouverneur a vu le Togolais Germain Tomenga passer le témoin au Béninois Spero Rumpé. Après 12 mois de loyaux services et de sacrifices à la tête du district 9103, créé il y a seulement un an, le Togolais se mue en reconnaissance. C'est par pure grâce que j'ai pu assumer cette responsabilité, avec désir, avec courage et avec détermination. Ensemble, nous avons réalisé tant de belles choses. Je vous remercie pour votre dévouement, votre engagement et votre soutien. Mes chers amis, alors que nous nous apprêtons à passer le flambeau, je vous exhorte à continuer à porter haut les valeurs du Rotary, l'intégrité, le service et la camaraderie. Puis vint le moment solennel. Le Togolais se décharge officiellement de son insigne de gouverneur au profit du Béninois. Remet de manière solennelle le collier de gouverneur à DGE Spéo Rumpé. Et le temps que ce sera aux ovations et aux Aussitôt investi de ses charges de gouverneur du district 9103 du Rotary International, le nouveau gouverneur annonce les couleurs en plaçant son mandat sous le thème « La magie du Rotary ». La magie du Rotary, c'est la capacité de voir au-delà de l'ordinaire, de croire en l'impossible et de réaliser l'inimaginable. C'est dans chaque sourire que nous apportons. La magie du Rotary, c'est chaque joie que nous apportons dans chaque vie. Et la magie du Rotary réside aussi dans nos actions qui transforment nos communautés. Et pour mieux répandre cette magie rotarienne, à travers leur service à la communauté, responsables et membres du district ont eu droit à une keynote sur le thème « Innover en capitalisant sur les acquis dans un club service ». Au speaker, un orateur spécial et pas des moindres. En effet, comme un arbre doit rester ancré, s'il veut survivre et continuer de porter des fruits, notre organisation doit conserver ce qui a fait sa force. On ne doit pas, en s'accrochant à sa raison d'être, refuser le risque de l'innovation. Je voudrais donc encourager le gouverneur entrant et vous tous qui avez ce merveilleux défi à relever à vous parler, parce que le Rotary, c'est d'abord de la camaraderie. En ce qui concerne le nouveau gouverneur, son principal défi pour le compte de l'année rotarienne 2024-2025 reste le développement de l'effectif, pierre angulaire sur laquelle repose la pérennité de sa mission. Une pierre posée sur des fondations d'un édifice destiné à défier le temps. Imaginez un cercle vertueux où chaque membre contribue à la fondation du Rotary, donne au moins $1 à la fondation, où chaque dollar versé finance des actions qui touchent des vies. En retour, nos congénères savent ce que nous faisons et ont envie de nous rejoindre. Les jalons sont ainsi posés pour la nouvelle mandature qui commence à la tête du district 9103, un district qui regroupe le Bénin, le Niger et le Togo, et à la tête duquel le Béninois Spero Rumpé consacrera les 12 prochains mois à servir et à tendre la main aux hommes sur cette terre, tel que le recommande l'hymne du Rotary. Je veux servir, je veux